Eh bien, salut les amis, c'est Benoît le Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, où je voulais vous présenter le meilleur village que j'ai jamais vu, sur le petit village Clash of Clans. Alors ce village-là, c'est absolument pas moi qui l'ai inventé, voilà, je suis franc et honnête avec vous, j'ai regardé en fait dans le top FR français, et je sais plus quel joueur exactement a fait, je crois que c'est lui, rendre visite, et honnêtement, je l'ai vu à... Ah non, c'est pas lui, c'est pas lui. Alors, je l'ai vu à deux ou trois reprises quand j'ai attaqué des joueurs, en fait, ce village-là. Et honnêtement, il envoie du pâté. Il envoie du pâté. Je sais plus quel... non, bah, je sais plus. Je sais plus. C'est à peu près... Ah bah, c'est à peu près la même chose, celui-ci. Ouais, c'est à peu près la même chose, mais à l'envers, en fait, dans l'autre sens. Et honnêtement, on va faire deux, trois games ensemble, les potos. On va également débloquer... La machine de combat. On va débloquer la machine de combat. Mais avant, je vais juste lancer la mine d'or tout de suite. Voilà, parce que du coup, je n'aime pas... Alors, on va le gemmer. On va le gemmer. J'ai récupéré pas mal de gemmes, là, récemment. Donc, du coup, on est bien. Voilà, comme ça, on va pas trop non plus... Hop là. Allez. On est parti. Let's go. Il n'a pas le super mortier de la mort qui tue, qui nique tout, là. Donc, du coup, c'est une bonne chose. Du coup, c'est une très, très bonne chose. Ok, alors on va taper comme ça, ok, boum. Eh bien écoutez, on envoie ici. Voilà, on a pas mal dégagé. On va partir à droite là. Ok, on va envoyer l'autre là tranquillement. Super, ok, ça n'a pas servi à grand chose. Allez, 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 par contre là il faudrait qu'on se dépêche. Il faudrait qu'on se dépêche à attaquer à gauche, c'est très bien. On va lui exploser ça, allez, dépêchez-vous les gars, dépêchez-vous. Il faut qu'il reste debout, Ok, c'est bon, ils sont debout. Ils sont debout, on va s'occuper du double canon là-bas. Ça serait bien de s'occuper du double canon. Malheureusement, non, le double canon ne va pas y passer. On a combien? On a 36% de dégâts. Ouf, ça va être chaud quand même. Il me reste encore un géant qui est full en Lévi, qui va quand même réussir à faire tomber. Voilà, il a réussi à faire tomber une tour. On a 48. On va pas faire les 50% malheureusement. On va pas faire les 50%. J'aurais peut-être dû viser les 50, au moins les 50%, mais c'est pas grave. C'est pas grave simplement parce que du coup dans le village que j'ai actuellement, et bien voilà, j'ai gagné. J'allais vous dire, je fais rarement au-dessus de 40%. Ça reste vraiment très 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 rare de faire au-dessus des 40%. Ce village, honnêtement, faut le tester. C'est une tuerie de malade. C'est une tuerie de malade. Et là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la machine de combat. Il y en a pour 12 heures. Ça fait plaisir. Donc, du coup, sur la prochaine vidéo, les amis, eh bien, on va pouvoir tester ça. On va utiliser... Hop là, on va améliorer tout de suite l'horloge. J'ai passé, moi, les 2250 au niveau de mon clan. Je crois que je suis repassé premier. Ouais, je suis passé premier. Honnêtement... Dépêchez-vous de passer le... Au début, on me disait, ouais, attends de tout maxer, machin. Mais non, concrètement, je trouve que c'est un petit peu différent de Clash Royale. C'est un petit peu différent du gros village, plutôt. Allez-y, hein. Allez-y, foncez. Ça ne va pas changer grand-chose par rapport... C'est surtout au niveau... C'est surtout, en fait, ce que je pense, c'est surtout le niveau d'étoiles que vous avez. C'est ça, vraiment, qui importe le plus. Alors... Ok, eh bien, écoutez, on va y aller comme ça, on va en balancer un là. Voilà, super, on en balance un deuxième, il a volé. Allez plus haut, allez plus haut, allez, come on baby. Ok, ça c'est mort. Ouais, on n'est pas trop trop mal, on n'est pas trop trop mal. On le sait, il va pas forcément, il faut faire au moins les 50%. Au moins les 50%, là il y a de fortes chances qu'on les fasse. Il y a de très très fortes chances que nous les fassions. Voilà, 49, lui il va exploser là, super. Père. Là par contre il va sur la tour là-haut. Là normalement on va récupérer ici. On va faire un peu plus de 52% du coup. Dépêche-toi baby, dépêche-toi. Oh oui c'est bon, 56. Ok, alors normalement si tout va bien, si mes calculs sont pas trop trop mal, on devrait pouvoir gagner à nouveau cette game. Oh il a fait 50%. Ça pue pour nous, ça pue pour nous. Je pense pas qu'il ait récupéré la maison des ouvriers en espérant qu'il fasse pas au-delà des 50%. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. C'est vrai que quand on regarde, ouais, il y en a certains où je me suis foiré. Là, je me suis également foiré, mais voilà, ils font rarement au-dessus de 40 quand même. Hein. 47, 30. Bon, lui, il a fait un 100% par contre. Il était
Et malheureusement, 62%, ouais, il était full. Il était full, il avait déjà ça, les 8 bébés dragons. Je pouvais pas faire grand-chose. Là, concrètement, je pouvais pas faire grand-chose. Effectivement, il y a des moments, c'est un petit peu plus dur que d'autres. Allez, voyons voir ce que l'on va pouvoir maintenant effectuer. Oula. Alors, celui-ci, à mon avis, il va être compliqué. Celui-ci, à mon avis, va être compliqué à faire. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je pense qu'on va taper plutôt en haut. On va essayer de récupérer un maximum autour. On va jouer là et là. En jouant ici aussi pour le. Voilà. Super. Allez, allez. Il faut toujours qu'il focus par contre. Oh, dommage, il a focus de l'autre côté. Ça a focus de l'autre côté. Ça fait des dégâts autour. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Ouh là 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 là. Ok, 36%. Là par contre, il va m'exploser mes petites archères. Ok, bon, c'est bon. On a quand même réussi à lui. Allez, allez, allez. Le double canon là. Est-ce que là, ça va passer? Non, le double canon, malheureusement, ça ne va pas passer. Peut-être encore un coup. Ah, oh, c'est dommage. Ah, il va peut-être pouvoir mettre. Il va peut-être pouvoir le terminer. Allez, vas-y, termine-le, termine-le, termine-le. Faire 48. Come on, baby. Encore un coup. Oui, il a fait 49. Il a fait 49. Dommage pour l'étoile. Voyons voir ce que ça va donner. Voyons voir ce que ça va donner. Yes, c'est encore une victoire. C'est encore une victoire. Ah, il était pas mal, lui, en plus, hein. Alors, voyons voir un petit peu. 46. Dommage, ça s'est pas joué à grand-chose. Voyons voir un petit peu comment, en fait, la base se débrouille. Donc là, du coup, il essaie de taper à gauche. Il envoie toute l'artillerie. Ok, tous les géants de l'autre côté. Il y a un géant qui a sauté. Alors, au niveau, par contre, au niveau des pièges, je vous avoue, moi, je les ai mis un petit peu à l'arrache, là où je pensais que c'était le plus judicieux de les mettre. Pas forcément évident. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Et là, en fait, du coup, ça attaque en zone. Et ça fait quand même un maximum de dégâts avec le mortier. Voilà, tout est parti. Hein, tout est parti. Il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Ok, allez, on passe. On passe, on passe. Allez, on est parti. On espère faire la dernière game et la dernière victoire. Ça serait bien. Donc, il a encore le mortier en haut. Là, je pense qu'il a dû mettre des trucs à gauche et à droite. Du coup, moi, je vais taper plutôt en haut, là. Voilà, on va essayer vraiment de dégommer ça. On va jouer ça ici. On va jouer ça là. Ok, super. En plus, il tape de l'autre côté. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est tombé. Oh là 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 là. Allez, allez. Allez, 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 allez. Ah, malheureusement, ça ne va pas suffire. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Il y a la Tesla qui a fait extrêmement mal. La Tesla, elle a fait vraiment très, très mal. Les géants qui vont faire le taf. Qui vont faire le taf sur le canon, normalement. Encore un coup. Oh, le bordel. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Par contre, là, ça pue un petit peu, cette game. Je vous avoue, cette game, elle pue un petit peu. Sa Tesla, elle était plutôt bien, bien positionnée. On espère quand même prendre encore un petit point. Ok, bon, sa tour là, enfin son village, il m'a quand même piqué les yeux. Hein. Le combat a commencé. Ok, what the fuck, pourquoi il a pas attaqué avant? Eh bien écoutez, on doit attendre, on doit attendre. Ça serait bien, ah, peut-être qu'il a longtemps hésité, peut-être qu'il a cherché un petit peu comment il allait attaquer. Peut-être qu'il a réfléchi à d'autres types de troupes ou pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, dépêche-toi. On va juste aller voir de l'autre côté, regardez les tas d'avancement. Oh, j'ai récupéré ça en plus, super, je vais avoir un petit coffre. Oh, bah tenez, j'ai un bonhomme qui vient de se libérer, donc du coup, et ben voilà, il va aller chercher les petits gemmes. Ça, ça fait plaisir. Allez, dépêche-toi, Bobby, dépêche-toi, là. Du coup, ça avance plutôt bien, ça avance plutôt bien. J'ai bientôt le dragon niveau 2, après 7 jours d'attente, c'est long. C'est long, c'est long, je pense que je vais le gemmer ce soir, parce que là, à mon avis, il va arriver dans la nuit ou très tôt. Demain, ouais, j'ai pas envie de calculer donc je pense que je vais le gemmer ce soir et lancer, peut-être les ballons pour les faire passer au niveau 4, ça pourrait être bien. 25 gemmes, et bah écoutez, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. On va continuer comme ça tranquillement, on va récupérer en attendant que de l'autre côté, et voilà, en dessous de 50 quasiment, en dessous de 50, il était voilà, il avait l'avantage sur Bibi avec. Il avait l'avantage sur Bibi. Allez, on est reparti, les amis. Là, il faudrait en fait. Allez, on y va comme ça. On tente. On tente là. Ok, au calme. Ça serait bien. Allez, 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 allez. Allez, ok, il y en a un qui est mort. C'est reparti, allez on se dépêche, on se dépêche. Faut s'occuper de la Tesla, c'est bien, les mecs sont en train de s'occuper de la Tesla. Allez, 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 allez. La Tesla va die, ok, la Tesla elle est die. On est à
Ok, dommage, il y en a un qui s'est loupé. Il y en a un qui est de l'autre côté qui a fait le tour, donc ça c'est bon. Et là, normalement, lui défonce. Ok, allez, encore un coup, et c'est bueno. Est-ce qu'il va avoir le temps? Est-ce qu'il va avoir le temps? Pip! Oh putain de merde! Ok, bon, là, il est en PLS. Là, il est en PLS. Ok, on a fait 49% en espérant que l'autre fasse légèrement en dessous comme mon taux de probabilité. 25% de destruction en 40 secondes. Ok. Y a peut-être moyen d'y arriver. Il y a peut-être moyen d'y arriver, à mon avis. À moins qu'il y aille tout doucement et sûrement. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Il faudrait peut-être que je change peut-être ça. Je sais pas où il faudrait que je le mette. Le... Waouh, c'est passé! Et bien voilà les amis, honnêtement vous pouvez vraiment le tester, il était plutôt bien avancé, il était full. Honnêtement il était full, niveau 1, il avait niveau 4 pour les... Ouais, honnêtement il était plutôt très très bien. Il a fait que 33%. On est à 2252, donc ouais, non honnêtement c'est vraiment une belle... c'est vraiment un très très beau village, je vous invite à l'essayer bien sûr. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce village, ainsi que de ma compo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où là du coup on testera la machine de combat. En attendant, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao les potos.